Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre tirage du mois. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser le Tanis le Normand, nous utiliserons également le Sweet Ladies, un oracle, et un deuxième oracle qui est l'oracle des reflets. Donc ce sont trois jeux que j'ai créés que vous pouvez retrouver sur mon site, dont vous avez la référence en barre d'infos. On va commencer tout de suite. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Et sur ma chaîne, tous les matins, je propose des petits tirages tous les matins pour accompagner votre journée, qui peut être un très bon complément au grand tirage comme ça du mois. Donc je vous invite à aller voir, à vous abonner pour avoir accès à toutes ces vidéos. Voilà, activez la petite cloche aussi pour les avoir directement dans votre boîte mail. Alors, on va commencer tout de suite par votre première semaine, les lions. Alors, pour votre première semaine, on voit qu'au niveau des amitiés, il y a quelque chose de très positif qui va se passer. Alors, excuse-moi, je décale un tout petit peu, voilà, la caméra. Hop. Voilà, donc on a quelque chose de très positif qui est en lien avec vos relations amicales. Vous avez des amis fidèles et des amis sur lesquels vous pouvez compter. Vous pouvez autant leur demander un service que eux peuvent vous demander des services. Peut-être des cadeaux d'ailleurs qui vont venir de vos amis. En tout cas, vraiment une relation épanouie, une relation sereine. On voit avec la carte du Sweet Ladies qu'il y a une accélération également qui va se faire. Donc peut-être en lien avec une amitié, hein. Donc une amitié qui prend un tournant différent, qui devient plus, j'allais dire plus intime, mais pas dans un sens de relation amoureuse, mais vraiment dans un sens où on partage beaucoup de choses personnelles avec un ami. C'est tout à fait possible. Par contre, l'oracle des reflets vous invite, attention à si vous avez des rêves trop ambitieux, des choses trop ambitieuses que vous avez mis en place, il est possible qu'il y ait une difficulté et que ces rêves ne se fassent pas, que ce que vous avez mis en place, si c'était trop audacieux, ne se fait pas. Par contre, il est bon également de revenir à plus de vérité et plus de sincérité aussi. Vous allez vous en rendre compte durant cette première semaine. Et d'ailleurs, la vérité, la sincérité, vous la retrouvez hein, dans vos relations amicales. Donc, il est vraiment possible que vous vous rendiez compte que peut-être en amitié vous vous êtes fourvoyé, peut-être que vous avez fait des rencontres dernièrement qui ne correspondent pas en fait à qui vous êtes, vous avez placé la barre trop haut, et là vous allez justement revenir à quelque chose de plus vrai et plus sincère. Voilà, il peut s'agir du domaine amical, mais il pourrait s'agir également d'autres choses. Pour la seconde semaine, on voit qu'il y a un déplacement qui se fait, alors soit vous si vous êtes une femme, soit en lien avec une personne féminine, soit peut-être un déplacement avec aussi une autre femme, ou une femme si vous êtes un homme tout simplement. Donc voilà, on est dans une idée de déplacement et en même temps on est dans une idée de protection, et là on le retrouve avec ces deux cartes là, et celle du Sweet Ladies et celle de l'oracle des reflets, où on a ici l'armure, ici on a le cocon, l'alcôve, un petit peu. Donc on est, on est dans le boudoir, dans le secret, dans tout ce qui va être l'espace sacré, l'espace intérieur. Et là, on va protéger aussi ce qui est en nous. Donc certes il y a un déplacement, mais je pense que les deux cartes du Lenormand n'ont rien à voir avec les cartes ici de l'oracle des reflets, des oracles, pardon. Ici on vous annonce un déplacement et ici on vous annonce de vraiment faire attention à ce que vous avez en vous, que vous n'êtes pas obligé de dévoiler votre intimité à tout le monde, que vous n'êtes pas obligé de dévoiler ce qui est à l'intérieur de vous, que vous avez droit à avoir un espace sacré. Peut-être aussi il est bon de créer un espace sacré chez vous justement,
Voilà. Ou arriver, si vous êtes en déplacement, à prendre, je sais pas, une petite bougie, une pierre, quelque chose qui fera que là où vous allez vous installer pendant quelques jours, eh bien vous puissiez créer un espace qui vous est propre, un tout petit lieu sur le coin d'une table de nuit, ou voilà, quelque chose qui vous ressource vous, qui est profitable pour vous. On vous invite à pas trop vous dévoiler aussi, hein, durant cette seconde semaine. Alors, on va regarder la troisième semaine. Donc avec le Lenormand, on voit qu'il y a des choix à faire qui sont en lien avec une maison, un habitat, votre maison, votre appartement. Il y a des choix qui vont devoir se faire. Alors c'est intéressant puisqu'on avait la carte juste avant de la cigogne. Donc pour certains d'entre vous, ça pourrait être un déménagement, justement. Et choisir, hein, parce que vous aurez peut-être plusieurs choix entre plusieurs lieux ou plusieurs maisons. Pardon, je me suis trompée. Donc ça, ce sera pour la quatrième semaine. J'ai pris les deux cartes en même temps, peu importe. On voit que la quatrième semaine se termine de façon très positive, c'est toujours bien. Donc pour la troisième semaine, et là aussi, on a cette idée, hein, de mouvement, de déménagement, de lâcher, de laisser aller. Ici, on s'autorise à laisser aller, à découvrir de nouvelles aventures aussi avec cette carte-là. Donc des choix qui s'offrent. On est vraiment dans une carte de choix et peut-être un choix lié à un travail également. Parce qu'avec la carte de l'abeille, on est dans le côté travail, mais on travaille beaucoup. On peut travailler jusqu'à l'épuisement. Et là, il peut s'agir de se dire à quel moment je prends du temps pour moi, à quel moment je continue à travailler, à quel moment je lâche prise, à quel moment je donne tout dans mon boulot. Et là, c'est vraiment une idée de lâcher prise, hein, que l'on a ici. Lâcher prise, laisser aller, la possibilité de s'aventurer aussi quelque part, hein, de faire de nouvelles expériences. Donc il y a peut-être une corrélation entre où vous pousse le travail, jusqu'où vous pousse le travail et à quel moment vous avez besoin aussi de vous ressourcer vous, de faire de nouvelles découvertes et de nouvelles aventures aussi. Voilà, un déménagement peut-être en lien aussi avec cet aspect-là. Alors on va regarder pour la quatrième semaine. Donc, nous aurons cette carte-ci. On a du positif, hein, pour la quatrième semaine. Hop. Alors, avec la carte du Sweet Ladies, ici on a une idée de se parader, se montrer, exhiber. On a une idée de vanité. Et en même temps, c'est très intéressant parce que on a aussi la carte du Lys qui est ici. La carte du Lys qui a cette idée de mettre en valeur. On a une idée de séduction, de maturité. C'est la carte de la paix aussi. Arriver à trouver une stabilité va vous offrir, par exemple, pour cette quatrième semaine, la paix. Donc il va falloir travailler votre ancrage, il va falloir arriver à vous poser. On était dans des cartes de mouvement avant. Ici, on n'est plus du tout dans des cartes de mouvement, on est dans des cartes au contraire de stabilité. On est dans une carte de stabilité où on se pose, où on se montre, on n'hésite pas à se montrer, on n'hésite pas à mettre en avant les choses. Vous vous souvenez que la deuxième semaine, on gardait sur soi, on se préservait. Et la dernière semaine, peut-être que justement le mouvement étant passé, maintenant on peut se permettre de s'ouvrir, de montrer ce qu'il y a en nous, d'exhiber les choses, de parader. On a une idée vraiment de très positive avec la carte du Lotus, avec cette idée d'élévation que l'on retrouve aussi avec la carte du Lys, qui est une carte de paix, qui est une carte vraiment de maturité, de paix. On a engrangé des connaissances, on a engrangé des capacités, on sait quand les utiliser et on retient une forte stabilité, hein, pour cette dernière semaine. Voilà, donc beaucoup de stabilité et maintenant n'hésitez pas à vous ouvrir, à vous montrer, à aller de l'avant, à aller vers les autres également pour cette dernière semaine. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager,
à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. Bye bye les lions.